vous ai pas encore parlé. On se retrouve bien évidemment pour un nouveau vlog, vous l'avez compris. Je vous avais dit dans le dernier vlog que j'allais très certainement lire la suite de Grisha de Libard Hugo, puisque dans le dernier, j'ai fait ma lecture du premier tome. Si vous l'avez pas vu, je vous laisse le lien dans la barre d'infos. J'ai quand même bien lu tous les matins cette semaine, même ce matin où je commençais plutôt d'habitude ce matin. Ça y est, je peux dire que j'ai fini le tome 2 de Grisha. Je vais en parler rapidement parce que je pense que je vais bien continuer ce vlog avec ma lecture du tome 3. Vous m'avez vu l'attraper du coup ce matin dans ma bibliothèque, ça y est, je peux l'attaquer. Ah, je suis trop contente. Mais je voulais revenir un petit peu sur les deux premiers tomes que j'ai lus. Parce que ça y est, je peux dire que j'ai lu plus de la moitié de cette aventure. J'ai pas un coup de cœur sur Grisha. Parce que je préfère de loin l'ambiance de Six of Crows. Vraiment, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup l'histoire quand même. L'histoire de base, en fait, j'ai essayé d'y réfléchir un petit peu toute la journée à comment j'allais pouvoir vous dire ça. Bon, j'ai bossé aussi, mais je sais qu'à plusieurs moments, je me suis dit, mais comment est-ce que tu peux expliquer ce que tu ressens vraiment? Et j'aime beaucoup l'histoire, vraiment. Mais ce qui me manque... Alors je sais pas si je suis la seule, si jamais vous avez lu Les Grisha et Six of Crows, dites-moi si vous ça vous a fait un petit peu la même impression ou pas, mais en fait dans celui-là, ce qui me manque, c'est l'ambiance, qui est beaucoup plus sombre dans Six of Crows. J'ai ma batterie qui clignote. Pourquoi? C'est pas joyeux là-dedans, hein. C'est pas joyeux du tout, mais je sais pas, ça me paraît plus... Grisha, ça me paraît un peu plus jeunesse que Six of Crows. Je vais pas dire que j'aime pas, parce que j'aime beaucoup beaucoup. Si je dois faire une comparaison entre les deux, mon cœur balance pour l'autre. J'ai beaucoup plus apprécié ce tome 2 que le tome 1. Et du coup, j'ai très hâte de me plonger dans le tome 3. Je pense que vous l'avez compris, j'ai déjà mis mon marque-page dedans. Ce qui se passe pour ce soir, c'est que j'ai très envie de le commencer. Mais je pense très clairement que je vais peut-être lire un ou deux chapitres. Juste histoire de me dire, c'est bon, j'ai commencé le tome 3, vous voyez ce que je veux dire. Parce que qui dit, on est jeudi. Qui dit jeudi, alors je pense que par rapport à la sortie de ce vlog, ça fera un moment que ça sera sorti et terminé, mais là aujourd'hui on est le jour où le dernier épisode de True Beauty sort. Voilà, j'ai pas regardé, donc c'est le 15 et le 16, j'ai pas regardé le 15 qui est sorti hier justement pour me garder les deux pour ce soir. Demain je suis en week-end à 14h30, tous les centres commerciaux sont fermés. Donc c'est bête parce que ce que je voulais faire, c'était essayer d'aller trouver le livre du book club de Madison pour le mois de février, qui est Four Dead Queens. Je sais pas trop où est-ce que je vais aller regarder, mais je veux le trouver. Le challenge de ce mois-ci, c'est de lire un livre écrit par un auteur ou une autrice de couleur noire. Pour le challenge, j'ai pas de livre en plus à acheter, parce que je sais que j'en ai moi chez moi et qu'en plus, déjà je sais que j'en ai deux et c'est deux qui me tentent énormément. Pour ce soir, je vais vous laisser, je vais aller attaquer le tome 3 de Grisha. Je vais faire ça maintenant. Ça y est, True Beauty, c'est fini. J'ai trop aimé ce drama. J'ai vraiment trop aimé. Pour l'instant, je ne sais pas quoi penser de la fin du dernier épisode. Mais ouais, je peux pas... Non, il était trop bien ce drama. Sinon, ce que j'ai fait hier soir, je voulais aussi terminer l'épisode de Vagabond, je l'ai pas fait du tout, j'ai regardé peut-être une vingtaine de minutes le temps de manger, mais j'ai mis pause parce que justement je voulais absolument commencer True Beauty. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé le tome 3 de Grisha. Alors j'ai lu très peu, j'ai lu 76 pages, hein. Je vais essayer de me poser, d'ici ce soir, de me poser une heure. Que ce soit, il y a le live de Tess. Ah, je vais peut-être même lire pendant 2 heures. Parce que ça fait un moment que je vous en ai pas parlé, mais il y a quelques semaines, et je crois que c'était pendant le confinement, donc le reconfinement, celui de novembre, elle fait des live lectures sur Instagram. Elle fait sur le principe 25 minutes de lecture, 5 minutes de pause, donc de blabla, machin et tout ça, pendant le live, et à peu près pendant 2 heures. Voilà, donc ça fait quand même un bon timing de lecture, et j'ai très envie de le faire, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Je suis allée faire des courses, là, en sortant du boulot. Je pensais pas le trouver du tout à cet endroit-là, et puis par curiosité, je suis allée voir. J'ai trouvé Four Dead Queens à Carrefour. Voilà, j'ai trop hâte de le lire, mais ce sera pour après Grisha. Dans l'idéal, j'aimerais l'avoir fini dimanche. Mais dimanche, je sais que je rentre de chez moi
dans la matinée, je vais rentrer ici pour manger et tout ça, et ensuite je vais partir chez ma binôme pour faire un training. Mais ça veut dire qu'avant 18h, je serai rentrée. Donc peut-être que je vous reparlerai dimanche soir. Peut-être avant, je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, je suis en week-end. Et oh mon Dieu, que ça fait du bien. J'ai un truc à vous dire. Ça y est. Je suis partie de ma famille samedi matin jusqu'à dimanche matin. J'ai pris mon bouquin avec moi à la campagne. J'ai pas du tout lu de l'après-midi puisque c'était l'anniversaire de ma grand-mère. Et par contre, le soir, une fois que ma soeur, mes neveux, tout ça, ils sont partis, je me suis posée pour bouquiner. Et là, je l'ai fini. Là que maintenant j'ai fini cette trilogie, je pense que ce qui m'a manqué, c'est ça. C'est cette ambiance assez sombre qu'on retrouve dans Six of Crows. Que j'ai pas trouvé dans Grisha, et en plus dans Grisha on va suivre que un personnage, on va suivre que le personnage d'Alina, alors que dans Six of Crows on suit chaque chapitre, c'est un personnage différent et du coup on s'y attache plus ou moins par rapport, voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. Grisha, je me suis pas attachée à Alina. J'ai beaucoup aimé l'histoire. L'histoire de Grisha, j'ai énormément apprécié. L'univers des Grisha, les pouvoirs des Grisha, tout ce qui peut leur arriver. Les Grisha, le Darkling, enfin voilà, tous ces personnages-là, j'ai adoré l'histoire, mais je me suis pas du tout attachée au personnage. Je pense que je me suis plus attachée à Mal et au Darkling qu'à Alina. C'est con parce que c'est le personnage principal. En quel ordre lire en fait ces deux sagas? Moi, on m'avait conseillé de commencer par Grisha. Et de toute façon, c'est ce qui est conseillé. Mais moi, bah j'ai pas fait comme ça. J'ai commencé par Six of Crows. Si vous avez envie de lire Six of Crows avant, faites-le, parce qu'il y a... ça pose pas de problème en fait. Je me rappelle que dans Six of Crows, j'avais eu cette impression un petit peu de lenteur, petite, hein, pas énorme, mais un peu, que les choses mettent du temps à se mettre en place. Et là, dans Grisha, j'avais l'impression que, allez, en deux, c'était fait. Voilà. Alors qu'il y avait des moments où c'était très long, dans Grisha, je parle, et la résolution du truc, ça se passait, mais en trois pages. Et même pas, des fois, en quelques lignes, c'était fait. Donc... ouais, non. J'ai beaucoup aimé ma lecture parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai beaucoup aimé vraiment l'histoire des Grisha. Par contre, ben, je pense que le fait de pas du tout m'être attachée au personnage d'Alina, ben, ça pêche un peu. Et le fait que j'ai trop l'ambiance sombre de Six of Crows en tête et les manigances de Six of Crows, je pense que ça m'a peut-être un petit peu empêchée d'apprécier Grisha comme j'aurais pu l'apprécier si j'avais lu dans le sens normal. Et ce que j'ai fait hier, c'est que je suis rentrée en fin de matinée et je savais que j'allais pas lire de la journée. Ma prochaine lecture allait attendre parce que j'avais trop la tête dans Grisha pour commencer autre chose. Et je me suis acheté Sayonara Miniskirt il y a pas longtemps, c'était au mois de janvier, je vous en ai parlé dans mon dernier book haul. Et ça y est, je les ai lus hier soir. J'ai enlevé les deux jaquettes des deux mangas et j'ai lu le 1 et j'ai directement rattrapé le 2. Et... je veux juste que le 3 sorte, parce que du coup le 3 n'est pas encore sorti. Le résumé nous dit juste « Quel secret Nina, la seule fille de l'école, a porté un pantalon, dissimule-t-elle ? » Ainsi commence l'histoire d'un drame terrible. Et c'est vrai que ça parle d'un sujet qui est très dur. C'est un sujet qui est très dur, qui par moments est abordé de manière très lucide, et par moments... par certains personnages, ça va être abordé de manière très naïve, mais le message y passe en fait, je trouve, et je peux pas vraiment parler de, enfin, je peux pas vraiment dire de quoi ça parle. Ça reste un bon petit manga à lire, et clairement, la fin du tome 1, j'ai fait, oh, je savais pas trop si je faisais une pause ou pas entre les deux mangas. J'ai pas fait de pause, voilà, j'ai directement enchaîné avec le tome 2, et forcément, avec la fin du tome 2, elle appelle à lire le tome 3, sauf que ben, le tome 3, il est pas encore sorti. Je vous parle juste de ce matin et après j'ai fini. Ce matin du coup j'ai commencé For Dead Queens. J'ai lu les 100 premières pages. Voilà, donc pour l'instant j'aime plutôt pas trop mal. 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours secrètes, une fin que vous ne devinerez jamais. Et apparemment, de tout ce que j'ai entendu, tout le monde était sur le cul à la fin. Donc je vais être sur le cul à la fin aussi. Je suis passée chez Cultura lundi après-midi entre mes deux horaires de boulot. Je me suis pris un manga, donc je me suis pris le premier tome de Perfect World. C'est une de mes copines qui m'en avait parlé pendant
le premier ou le deuxième confinement? Non, c'était le deuxième. Je vous montre que le tome 1, parce qu'ils avaient le tome 1, et ensuite ça passait direct au tome 6 ou 7, un truc comme ça. Donc je me suis dit, bon, ben c'est pas grave, je me prends le 1, je le commencerai, et peut-être éventuellement que je me ferai une commande. Et le deuxième que je me suis pris, j'avais fait pareil quand j'étais rentrée d'Asie, il y a déjà quand même pas mal d'années. J'avais fait la même chose du coup avec... J'avais traversé trois pays, j'avais traversé la Thaïlande, le Laos et le Vietnam, et j'avais fait la même chose pour le Laos, pays dans lequel on était resté le plus longtemps et que j'avais très très envie d'en apprendre plus sur ce pays. Mais là j'ai fait quoi? En ce moment je suis un petit peu à fond dans la Corée du Sud, on l'a compris, je pense que vous l'avez très clairement compris, avec tous mes dramas et tout ça, j'ai acheté ça. Il y a une cinquantaine de chapitres, donc c'est vraiment le bouquin que je vais lire de temps en temps, c'est juste pour mon enrichissement personnel. Ce matin, j'ai lu vraiment un tout petit peu, et je voulais vous parler maintenant parce que je compte me reposer là pour bouquiner et essayer de finir un livre. Mais ce matin, je me suis attaquée à ce livre, donc le tome 4 de Entre chien et loup. Alors quand je vous dis je me suis attaquée, j'ai dû lire même pas 20 minutes. Entre chien et loup, si vous ne connaissez pas, c'est une histoire... qui va traiter du racisme, sauf que c'est une société en fait où les personnes au pouvoir sont des personnes noires et les personnes discriminées sont les personnes blanches. J'ai bon espoir, j'aimerais le finir avant de finir ce vlog, mais là ce que je vais faire pendant... J'aimerais bien lire, je pense que peut-être en 1h30 c'est faisable. Je sais pas, je vais voir. Mais je reviens vous parler de Folded Queens. Je suis à la page... 410, voilà, il me reste juste cette partie à lire. Je suis au tout début, je me suis arrêtée de lire hier soir en fait, au début de la partie 4. C'est hyper prenant en fait. Lundi, j'ai galéré à me poser pour lire, et en fait depuis mardi vraiment, quand je lis, je me rends compte que j'arrive à me poser, mais vraiment longtemps, et vraiment à avancer dans l'histoire, et j'aime beaucoup trop. Il y a certains trucs, j'ai des doutes par rapport à ce qui peut se passer, par rapport à qui peut être qui et tous ces trucs-là. Ça fait un moment que j'ai des doutes, mais pour l'instant j'aime énormément la plume de l'autrice. J'aime autant les passages en fait avec les reines de... C'est quoi, c'est Quadara? Je sais pas comment on dit, Quadara, Quadara. Bref, j'aime beaucoup les parties avec les quatre reines de chaque cadran, et j'aime énormément aussi suivre les, enfin, l'aventure du point de vue de Kerali, qui du coup est le personnage principal en fait, parce que les reines c'est vraiment des personnages secondaires. J'aime énormément, j'aime trop, et du coup j'aimerais bien revenir tout à l'heure pour vous dire que je l'ai terminé. Les doutes que j'ai, je vais pas vous en parler. S'ils se confirment, je vais pas vous en parler non plus. Je vais juste vous dire que si j'avais raison ou pas. Je vais me faire couler un café, je vais rendre son bouchon à mon chat pour qu'elle puisse jouer. Et je vais me poser pour bouquiner. J'aimerais bien vous revenir avant de partir au boulot tout à l'heure pour vous dire du coup si je l'ai terminé, ce que j'en ai pensé. Sinon, si jamais, je reviendrai ce soir. On est jeudi. Normalement, jusqu'à maintenant, le jeudi, c'était True Beauty. Je suis triste qu'il n'y ait plus True Beauty, mais je suis tellement à fond dans Vagabond, je vous raconte même pas, je suis à l'épisode 14. Mais vraiment, si vous l'avez pas vu ce drama, mais regardez-le, il est si addictif. Le duo de personnages, Dalgon et Goeri, oh, je les aime trop, je les aime beaucoup trop. Ok, je viens juste de rattraper mon livre, hein. Clairement je viens juste de lire 2 pages. Tout ce que je pensais, c'est pas du tout ça. Tout ce que je pouvais penser, non. Voilà, c'était juste pour dire ça. Je viens de me faire couler un café, je viens de lire 2 pages. J'y retourne. 2 heures plus tard, même endroit, deuxième café, habillé. Livre fini. À chaud, ma première impression, c'est... C'était si bien. C'était vraiment super cool comme lecture, mais vraiment. Tout ce que je pouvais penser... Ça s'est pas vraiment passé, il y avait quelques petits trucs, j'espérais que ça allait se produire, ça s'est produit, donc j'étais contente, mais vraiment le complot et tout ça, je l'ai pas vu venir. Je rejoins du coup l'avis des gens comme quoi j'ai été surprise par cette fin, mais agréablement surprise vraiment. C'est un bouquin sur toute la longueur que j'ai apprécié, et je dois souligner que le rythme du livre est parfait. Pour moi en tout cas, j'ai trouvé le rythme du bouquin parfait. Je me suis pas ennuyée une seule fois.
il y a la dose d'action, il y a la dose d'adrénaline, on va dire, sur des événements qui peuvent se passer, les révélations et tous ces trucs-là. Oh, vous avez compris que j'ai aimé, quoi. Donc, le livre du book club est lu. On est le 11 février, je suis contente. C'est fait. Du coup, j'attaque... Alors, je vais pas du tout lire maintenant parce que je vais partir bosser. Mais peut-être que ce soir, même très certainement que ce soir, je vais lire un petit peu de Mallory Blackman. Parce que du coup, comme je disais, c'est le livre pour le challenge que j'ai choisi de Madison. Étant donné que Mallory Blackman est une autrice noire. Voilà, j'ai choisi ce bouquin. Je reviens vous faire un petit update de ma lecture. Je vous avais dit que je voulais lire le tome 4 de Entre chien et loup. Entre le moment où je suis rentrée du boulot et le moment où je me suis posée pour regarder Vagabond, j'ai lu. Et en fait, au final, je suis à la page 200. Voilà, j'ai quand même beaucoup lu hier soir. Alors, j'ai lu une vingtaine de pages ce matin avant de partir au boulot, parce que j'avais le temps de boire mon café et tout ça, ben, je me suis posée un tout petit peu histoire de bouquiner. Mais j'ai dû lire les 180 premières pages hier, et c'est toujours aussi prenant. Alors c'est un tome 4, donc je ne parlerai absolument pas de quoi ça parle, ni même qui sont les personnages à l'intérieur, parce que voilà, c'est un tome 4, quoi, je pense que vous pouvez comprendre. Mais c'est toujours aussi prenant, c'est-à-dire que pour les trois premiers livres, alors je vais essayer de... Je vais prendre le premier parce que celui-là ça peut spoiler des trucs. Chaque chapitre c'est le point de vue d'un des personnages. Après il y a des choses qui changent un petit peu selon les tomes et selon ce qui se passe à l'intérieur, mais grosso modo ça se passe comme ça. Les chapitres, vous en avez un qui démarre ici, un autre qui démarre là. Donc là j'ai pris exprès une page où les chapitres sont très très courts, mais sinon vraiment, ben, vous voyez là le chapitre de Callum. Il fait juste ça, donc c'est que dalle. Donc clairement t'as toujours envie en fait de lire le chapitre suivant, et au final je me rends compte que les pages je les engloutis, et voilà. Donc là ce soir je vais faire la même chose, je pense que jusqu'à ce que j'ai faim je vais lire. Et aussi je suis curieuse si jamais il y a des personnes qui ont lu le tome 5. S'il y a le tome 5 en fait qui est sorti fin 2020. C'est quand même une saga qui est sortie il y a quelques années, et le tome 5 est sorti il y a à peine quelques mois, et je me demande en fait, est-ce que c'est vraiment utile de lire le tome 5? Est-ce que c'est vraiment une suite? Alors après j'attends de voir la fin de celui-là. Est-ce que c'est une fin ouverte qui appelle à peut-être une suite? Est-ce que clairement il y a une conclusion qui va me satisfaire et du coup je vais pas être tentée de lire le 5? Parce que j'ai pas du tout regardé d'avis. Parce que j'ai peur de... Tant que j'ai pas fini le 4 en fait, je veux pas aller voir même sur LivreAddict, sur la partie du tome 5, voir ce que les gens en ont pensé, parce que j'ai peur de me faire spoiler le 4. Mais je pense que je ferai ça demain, quand je l'aurai terminé. Mais si jamais il y en a qui l'ont lu, ce tome 5, qui l'ont acheté, qui ont entendu des avis ou quoi, est-ce que c'est vraiment utile? Ça y est, je l'ai fini ce matin. Je reviens vous en parler tout à l'heure, face caméra, ce sera peut-être un petit peu mieux, mais il est quelle heure? Il est 11h, je l'ai terminé ce matin, dès que je me suis levée en fait, il me restait moins de 100 pages à lire. Et voilà quoi, ce matin je me suis réveillée assez tôt, je me suis directement posée sur mon lit avec le bouquin, un café, et je l'ai terminé. Et voilà, je suis très très contente de cette lecture, je vais pouvoir la ranger avec les trois autres. Parce que oui, celui-là je l'avais sorti pour vous montrer hier comment étaient présentés les chapitres avec les différents personnages. Et... Là, ce que je vais faire, c'est que cet après-midi, j'ai un cours de sport. Et du coup, ce que je vais faire là maintenant, je vais cacher ça, mais je vais terminer Vagabond. Voilà, je suis à l'épisode 15, je suis sur la fin du 15e et je vais me le terminer maintenant. Parce que je sais que je vais en parler avec ma binôme tout à l'heure, juste avant ou après le sport, je sais pas. Mais voilà, je vais finir ce drama. J'ai déjà si mal. J'ose même pas imaginer demain. Il est 18h pile. Je viens de rentrer chez moi. Je vous ai lâché ce matin en vous disant que j'avais fini Entre chien et loup.
ça y est, j'ai fini cette saga. Je ne suis toujours pas allée voir les avis concernant le cinquième tome, la fin de ce 4. Ça me donne pas du tout envie de lire une potentielle suite, en fait. Donc je pense que, par curiosité, je vais aller voir sur Livre Addict. Pour l'instant, je me satisfais du coup de ce tome 4. Je vais pouvoir aller le ranger à côté des autres dans ma bibliothèque. Il était différent, je trouve, des autres tomes. Il était, je vais pas dire plus sombre, parce que tous les bouquins de Entre Chien et Loup, c'est quand même un sujet grave, qui est le racisme. Donc ça reste, tous les bouquins sont, ils ont chacun leur particularité, mais celui-là, si vous avez lu la saga, vous comprenez de quoi je parle, et je trouve qu'il était, au niveau des points de vue et tout ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Au début je me suis dit, ça va pas être cool, et puis en fait, j'ai trouvé ça super, 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 vraiment, c'est pas mon tome préféré de la saga. Je pense que mes premiers, c'était le tome 1 et le tome 2, avec la fin du tome 2, je crois que c'est celui-là. La fin du tome 2, j'étais... Voilà, donc très très bonne saga, ce Entre Chien et Loup. Vraiment, je peux que recommander. La conclusion me convient parfaitement, en fait. Donc c'est pour ça que je suis pas hyper tentée de m'acheter le tome 5. Celui-là, c'était un des livres choisis pour le book club du mois de février de Madison. Et celui-là, c'est celui que j'ai choisi, en fait, pour le challenge qui était de lire un livre écrit par un auteur ou une autrice noire. Et ben voilà, Mallory Blackman correspondait à ce... Enfin, correspond toujours, d'ailleurs, pour ce challenge. Donc c'est pour ça que j'ai voulu lire celui-là. Et lui... Oh, j'arrive pas à me sortir de l'esprit que, en fait, c'était vraiment parfait. J'y repense là avec quelques jours de recul, c'est fait quelques jours, deux jours, hein. C'était vraiment parfait, donc voilà, je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà lu, mais beaucoup de personnes l'ont encore dans leur palle, voilà, donc c'était un vlog quand même assez productif, puisque j'ai quand même lu les deux livres du book club et que nous ne sommes que le 13, au moment où je vous filme. J'ai lu quoi d'autre? J'ai lu du coup les deux derniers tomes de Grisha, parce qu'à la base c'est pour ça que je voulais vlogger, c'était ma lecture de Grisha. Donc j'ai toujours le même avis. Pour moi, Grisha, c'est vraiment jeunesse. Et Six of Crows, ça l'est un peu moins. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai des doutes du coup sur la série, mais je suis quand même très très curieuse et je suis très impatiente de la voir. C'est, comme je vous disais, c'est la seule série qui m'intéresse pour l'instant, en dehors de mes foutus dramas. D'ailleurs, j'ai fini Vagabond tout à l'heure. J'ai fini Vagabond, ça y est. J'ai pas pu m'arrêter sur les deux derniers épisodes, j'ai pas pu m'arrêter. C'est un putain de bon drama. Vraiment, si... Oh, il était vraiment génialissime. Je crois que je me suis assez répétée par rapport à ça. Je pense que vous l'avez très bien compris que Vagabond... Voilà. J'ai beaucoup aimé. Donc, je vais m'arrêter de blablater ici. Je pense que le reste du mois de février va être plutôt tranquille niveau lecture, puisque... Je m'en suis prévu deux autres. Par contre, peut-être qu'à la fin du mois de février, je dis bien peut-être, c'est pas sûr du tout, il y a un week-end d'amis là. Et ça fait très longtemps que j'ai pas participé à un week-end d'amis là. Ça fait presque un an. Le dernier auquel j'ai participé, et encore je suis même pas sûre que c'était un week-end d'amis, il me semble que c'était une semaine à mille, ou une semaine à lire, je sais plus. Mais c'était pendant le premier confinement, donc ça commence à dater beaucoup. Et je me dis en fait que si je suis dispo tout le week-end, je le fais. Mais ça, on verra. Je sais pas. De toute façon, vous verrez bien. Je pense qu'il y aura peut-être un autre vlog en ligne d'ici là. Je ne sais pas du tout. Je préfère pas m'avancer trop non plus. Mais voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'à maintenant, si vous êtes toujours là. N'hésitez pas à me dire du coup si vous avez un petit peu le même point de vue que moi sur Grisha. Je crois que j'en ai parlé après avoir fini du coup ma lecture du tome 3 de Grisha. On m'avait demandé si c'était mieux de lire Grisha ou Six of Crows avant et tout ça. Et je me suis aperçue en fait que beaucoup de gens étaient... Alors le terme déçu, il est peut-être pas bien approprié. Mais ceux qui ont lu Grisha après étaient vraiment en attente d'avoir le même coup de cœur que pour Six of Crows, s'ils ont eu un coup de cœur. Et je rejoins complètement cette team, c'est-à-dire que, vu le coup de cœur que j'ai eu pour Six of Crows, pardon, j'avais énormément aimé le tome 1 et j'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 2. Ben là, voilà, j'attends... Forcément, ça a pas matché. Enfin, le coup de cœur, j'ai beaucoup aimé, comme je vous ai dit, mais le coup de cœur, il était pas là, malheureusement. Après, c'est vraiment une saga à suivre. C'est vraiment, si vous l'avez pas encore lu, foncez, parce que c'est vraiment hyper intéressant. Et la plume de Libard Hugo, j'aime trop.
Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire à propos de toutes ces lectures. Vous allez arrêter de m'entendre parler de Vagabond puisque ça y est, je l'ai fini. N'hésitez pas à me donner vos avis et tout sur, dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.